Salut la famille, salut, encore une fois de plus heureux de vous savoir nombreux de là où vous êtes et de là où vous aurez l'occasion de nous suivre, encore une fois de plus sur Albert Premier. Nous disons vraiment merci pour tout, merci pour les soutiens, merci Naman Sobozo Sala. Et si c'est la première fois que tu tombes sur notre vidéo, n'hésitez pas de pouvoir s'abonner, tu n'as qu'à cliquer tout simplement, c'est quelques poussières de secondes, tu cliques et puis tu t'abonnes et puis par après, tu actives aussi la cloche de notification, c'est cliquer aussi. Ce n'est qu'un clic, tu cliques et puis tu actives pour ne pas rater nos éléments. Et puis par après, partage aussi les liens de nos vidéos. Après avoir regardé les vidéos, si tu es content, si tu es satisfait, n'oubliez pas de partager aussi les liens de nos vidéos pour que d'autres personnes puissent nous découvrir. C'est très très important. Et puis par après, likez le vidéo. Ce n'est que cliquer. Tu cliques, tu likes, donc tu aimes la vidéo. C'est très important pour nous. Et puis par après, regardez aussi la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous à travers les commentaires, l'espace des commentaires est là. C'est pour toi, c'est pour que tu puisses t'exprimer. C'est pour que tu puisses exposer ta réflexion. En tout cas, tu es libre de les faire. Et puis, si tu n'es pas d'accord, n'a point mogoboye, oyotolobi, awa, ne t'en fais pas, tu es libre de nous contredire parce que tous en a monopole la vérité. C'est à toi tout simplement de pouvoir nous expliquer, de pouvoir nous éclaircir, de pouvoir étaler la vérité, de nous dire que non, Albert, n'a point oyo, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Parce que toi aussi, tu es libre de les faire. Alors qu'on analyse ensemble, accompagne-moi à travers les commentaires. Vraiment, merci, Nabino. Nyonso, on est ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement de tout ce qui se passe dans notre industrie musicale. Il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des choses. Et moi, j'ai toujours content, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que nous avons quand même de la chance d'avoir industrie musicale Nabiso et Mankakaba Actualité T, parce que nous avons des artistes, des fournisseurs, des grossistes qui sont là pour nous donner quand même des éléments à décortiquer. Alors, à l'occurrence, les Fali Poupa, il y a les Koffi Olomide, les Inos B, le Fer et les Héritiers, et les autres pour ne pas citer tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer quand même de parler, de décortiquer, parce que je pense qu'on m'a demandé quand même de décortiquer quelques deux, trois sujets. Je vais essayer de voir à travers temps où on a causé la Nango. Nako décortiquer oyo nako koka ko décortiquer. Alors tikana tala na no basije oyo balikina décortiquer si rango. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Comme on vient de me demander de pouvoir décortiquer sur sujet oyo ya Koffi Olomide sortie médiatique naye, obtention un passeport diplomatique, bah réaction naïe, tout ce qu'il est en train de faire, donc que je puisse parler sur ça, que je puisse décortiquer tout ça, analyser, développer. Et je pense que vous aussi, vous allez m'accompagner à travers les commentaires. Donc, je vais commencer d'abord par sa sortie médiatique. Il a été reçu par Adil Ondolé. Koffi Olomide, il a parlé. Je vais essayer quand même de décortiquer ça, malgré que pour moi, na komi komona ba sortie médiatique à artiste congolais, ezala kapena intéressante et intéressante nga mingi mingi penate, parce que je trouve que c'est trop bas, c'est terre à terre ba manka mona bango. Par exemple, comme on est en train de parler de Koffi Olomide, en tout cas ces sorties médiatiques, pour moi je considère comme si ce sont des sorties médiatiques de pleurnichage, tout simplement coller la ca pointer du doigt quoi qu'ils aient battu, qu'on s'est victimisé. Et ça devient de plus en plus monotone, tu vois. Et comme moi, monotonie, moko boye. Donc, tu sais très bien que ceux qui t'ont monné Koffi, ceux qui ont annoncé Koffi dans la sortie médiatique, moko boye, tu sais très bien que Akoya kole la mankambonae, a ba viol wana, Akoya kole la carrière nae, bazo combattre ye, Akoya kole la légende, bazo combattre yango. Donc, ba mankambouana tout le temps. Mais quand même, je vais essayer quand même, yakoko ta la profondeur, kole la nae wana. Parce que j'ai comme l'impression. Kolelawane za la kapena ba auto bengaka ba maya miso ya ngando, tu vois, l'arme des crocodiles, parce que yemoko motumboli bato yemoko mo plernicher. C'est ça le problème avec Koffi Olomide, parce que c'est lui qui crée tout ce qui se passe tout autour de lui. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours l'habitude de dire que Koffi c'est un vieux malin. Il est tellement malin, il est là. Il est en train d'alimenter. Donc, Koffi Olomide, Azalagane, tiba gouvernement Oyo, Yango Moko et Alimentaka, rébellion, et zo fournir pe rébellion ba arme pour ba ya ko attaquer. Donc, Koffi Olomide, il fonctionne comme ça.
Moi, j'ai comme l'impression, parce que j'ai essayé quand même, yako fan d'akota la Ndenga Zala, il est tellement malin. C'est comme le gouvernement où il y a wana pour alimenter ba rebelle. Ils ont fait ça pour bango ba armes, ils ont fait ça pour visibilité na ba rebelle pour ba ça la ba manka mona bango ba continuer toujours na bajé na bango wana. Donc c'est ce que Kofi Olomide il est en train de faire aujourd'hui, parce que moi si je regarde bisonyo stoyebi na musique ya Congo, Kofi Olomide c'est les rares artistes et musiciens oyo azwa pe na conflit presque na ba artiste nyonso na ba kulutu na ba mastanaye na ba petit frère na ba petit a ba petit frère naye, il a eu des problèmes avec presque tout le monde, presque na génération nyonso. Il a eu des problèmes avec des Franco si je ne me trompe pas, il a eu des problèmes avec des Papa Wemba, il a eu des problèmes avec Batunyoso ba Vienyo, il a eu des problèmes avec ba petit frère na ya Wenge, il a eu des problèmes avec bana ya Wenge oyo bauta donc totiki na nous bawera ba oyo ba bimi après bawera. Il a eu des problèmes à l'occurrence des Ferre des Fabregas Toyebi, il a eu des problèmes avec ses propres poulains. Donc il a eu des problèmes avec presque tout le monde, les danseuses, les femmes, les Mbiliabel, presque tout le monde, le messie là. Donc il est les rares, il est parmi les rares artistes Oyo Pena. Il a eu des problèmes avec tout le monde, presque tout le monde. Et ce n'est pas tout simplement dans la République démocratique du Congo, c'est là où il est spécial le mec. Il est allé même là, il a traversé même les frontières. Il a eu des problèmes de désaccrochage même avec Alpha Blondie. Tu vois, il a provoqué même Alpha Blondie. Il a eu même des accrochages avec Asalfo. Donc tu vois que c'est un vieil, il est toujours comme ça. Oh, mais j'ai 30 abeilles, naï, papa, conflit. Donc il est toujours comme ça, le vieil là. Alors, ce qui est total, Bissonio Stoyebi, très bien que le vieil, il avait des problèmes avec des Papa Wemba. Il avait des problèmes avec des King Kester et Menea. Bah, tout autre, bah, n'a pas de rivalité parce que Papa Wemba, tu as un peu de vie. Namugolo mogote abanda kolobaka kaza peti aza peti nanga me ezalaki toujours benda bika ba kote la même ba studio ba chamazulu toyoka banzembo wana ba sala même featuring na bango emo kolobaka na biso featuring de featuring wake up album wana kitoko tilelu to savura ka banzembo wana banzembo neti ba avion to savura ka banzembo wana tellement kitoko mais ndenge suka biso nyo stoyebi ba côté la bande ba côté ba studio ba donc ils ont parlé de tout ba boyana jusqu'à ce que papa Wemba il est allé trop loin en disant que non en tout cas ce qui na kufi aya na matanga na ngati. Donc tu vois que Kofi Olomide c'est quelqu'un oyo penaz à la moindre été parce que je pense qu'il est le premier artiste et musicien oyo artiste et musicien moninga nae à lobi que non en tout cas ce qui na kufi aya te parce que tout monde a ba conflit et belé dans notre musique hein. Ba jibe ba wera ba zaki na ba conflit ba rivalité belé ba mama mbili ya ba chala mwana to mona ba fali na ba feri malgré que ozo peser rivalité ngozo mona eza na sens te mais quand même to mona pena to mona ba rivalité na ba rivalité mais au grand jamais to tika la ko mona artiste aliki alo ba keno en tout cas soki na kufi wera ayate soki na kufi jibe ayate. Mais Kofi est le premier artiste et oyo baloba que non en tout cas ce qui n'a Kofi ayaté et puis ayapété. Tu vois que le mec il est tellement extraordinaire, c'est un vieux donc un papa conflit. Alors ce qui totali papa Wemba bazala ki benda bika oyo aloba nae ayakutu na matanga te akufa nae que son âme repose en paix. Tomona Kester oyo banda ko leka ko donc pas blague. Kester pe akufa akenda na ye. Madilu pe akufa akenda na ye. Nyosh baloba na kakutute. Bazala kawana, parce que tout le monde a vu Nyosh, il ne s'occupe même pas na makambo akufi. Parce que au grand jamais, au monde a Nyosh a fan na lobi la makambo akufi. Lui, il s'occupe na bazaiko na ye. Ce qui toye na jibe na wera bien sûr il y avait des conflits ba côté la même ba studio ba yema na ba nzembo ba anti tero ba monde arabe ba mbwakela par après ba ekokota ba studio ba yemba ba nzembo ya kokumi sa o ce qui ba bwaki na ce qui wapi tout ça donc mais le lo ce qui total il remonte que jibe mpiana ne s'occupe pas na makambo akofi jibe mpiana s'occupe na makambo na ye parce que jibe mpiana lui aussi il a des problèmes. Ça fait plus de 10 ans abimi sa album te balle de match ba fanatique na ba zozela. Je pense que papa chéri il a tant de problèmes à régler d'abord avant ya kokota makambo akofi soki totali wera
où est la bande à confondre dans un calme confier mon go aille à pelissimoto n'a pas manqué ma ba formateur. Alors ce qui natali si quoi je me pose maintenant la question de savoir si quoi vient à biso ou kolela kalela kanae o ya kolela keno balinga ka carrière nanga ekufa balinga ka baby sa carrière nanga bazolu kisanga bazo sala soki ndenge nini o les gens bazo combattre ngo. Moi je me pose quand même la question de savoir si ko tango lobaka ba bazolinga bazo combattre bananyamo parce que moi je pense papa we mané plus Kingester n'est plus Madilou n'est plus Otikali presque yomoko Bozi ne parle même pas de toi. Bozi ne t'occupe. Donc Bozi n'a habité. Vieignonge, il ne regarde même pas na ba casserole na yo. Oase kwa o aloba ke non, en tout cas boko solo la le jour où Jésus na Satan ba ko solo la meye wana et komi ba éloge et komi ba téléphone. Donc il y a pas de problème. Jiben Piana, lui il a dans wenge, azala ba manka monaye. Werason ne te calcule même pas. Alors c'est par là que moi je me pose la question si autant wa le kaka ko plernishaka toujours ko lobaka lobaka o bazulinga. Il fait allusion à qui et à quoi? Parce que moi je ne comprends pas. Parce que de vrais artistes oyo il fallait batuba kanisa ke bangonde bazulinga shit nae totangi bango ebele bakufa na bango et que leurs âmes reposent en paix. Misuso batikali bazana ba makamo na bango. Comme je viens de dire, Jiben Piana, lui, il s'occupe de ce concert. Dans l'album, il y a une balle de match. Ça fait presque 10 ans, Jiben Piana. Il y a un problème, et il y a un réglé. Il y a un fan de la kaka comme un kambo kofi. Je ne pense pas. Werason, lui aussi, il est là. Azo bunda kaka. Il y a un kambo kofi. Je ne pense pas que akoko za la kaka na tan, il y a koko ta kama kambo kofi. Alors, c'est par là que moi, je me pose la question. Si kotango a l'oubaka, ki bazo lina. Bananyango. Moi je ne comprends pas. Ezalaka pena bananyango balingaka toujours babo ma carrière nae. Alors ce qu'on fan ni peno raisonner bien au monde que personne ezaka kakolela kakaka état d'esprit nae, c'est toujours comme ça. C'est victimisé et pourtant il est le premier à provoquer. Ce qui est tali sorti médiatique ya ena na ndeko na biso oyo soki babengaka boko mendie yango na zolo bana fali pour pas de fuir quand même le mais il faut fouiller les médias congolais parce que c'est la honte vraiment au mon apena mobali ozo mon ay apparence bo mon ay mayele mais devant ba Kofi Olomide ba Joana na comprena raté. Donc il est là, on est en train de lui dire des choses. Il peut avoir un kaka na ba veste moko boya fan di kaka ce qui est adolondoli ce qui a dit adolondoli. Boko mendie o il est intelligent. Moi je me pose tout souvent la question de savoir na ba intelligence o bo attribué à kabango na yebite ce qui est à la intelligence en ngeni. Comment un vieux peut te faire asseoir quelque part à zolo bana o ba mankambo moko boye, tu es incapable même de sonder, de regarder, de se poser quand même des questions. Ya koyeba est-ce que makambo o ezo uta na monoko ya Kofi est-ce que za pena ya so kolela kalela ka tout le moment tout le temps kolela ko ple riche yende balingi ba boma yende balingi ba sala yende ba combattre kai mais il est le premier à provoquer il est le premier à alimenter ba polémique tango ba koyela e mabe a komi lisusu kolela par exemple o bato ba binisa ka banze monanga ya ba légende. Moi, je me pose quand même la question. Bino ba di soki ba di londole, bino presse à Congo. Est-ce que vous allez rapena? Moi, je ne comprends rien. Comment est-ce que quelqu'un a koya kolobana bino ba bêtise en dengue wana? Parce que bisonyo stoye bi très bien. Album lui-même Kofi, il nous a dit que non. On a même viré de l'argent pour cet album légende. Donc lui, il a déjà retiré l'avance de cet album. Légende. La maison de production. Au jour d'aujourd'hui, Kofi Olomide est en train de nous dire que non, en tout cas, album, ils ont les sous na maboko na été, ils ont na maboko, il y a maison de production. Alors, par là, moi, je me pose quand même la question de savoir, papa, yomoutou, ba verse la mbongo. Album, ils ont na maboko, il y a maison de production. Bangonde tozo zela, ba jige date, ya sorti album wana. Comment se fait-il, Banzembo,
et à la publier encore une fois de plus dans les réseaux sociaux. Ça se passe comment en fait? Quels sont ces genres de studios où il y a beaucoup de taka, où ils ont la sécurité pour être œuvre de l'esprit à Nabino et bimaka comme ça? Dans les au hasard, œuvre bini, tu as enregistré, mon ou foutami, ba séance et foutami, aux apena maison et à production. Et puis, œuvre zo bimaka na internet comme ça. Et bimaka wapi, et ou taka wapi, et le kaka nanzela nini, pour ba œuvre de l'esprit en nengewana, et puis, il y a album o yo ba si ba virele yo mbongo, mais ba œuvre zo bima. Si ko yo tango bosa la kaba, ba partenariat na ba maison de production, bo signaka ba contraté, na ba close o bosa la ka, ba secret professionnel les alakate, il y a qu'on maintenir ba œuvre, parce que ce sont, au moins, ba nzemboana. Il y a moins la marchandise. Donc, je pense que si une maison de production a accepté de virer de l'argent pour l'album, donc cela veut dire que cette maison-là doit assurer aussi la sécurité. Il y a œuvre, il y a album. Alors, posez-nous quand même la question de savoir comment se fait-il sur les réseaux sociaux pour venir blernicher, acquiser les gens. Et au Komona, Moutoumoko boye bazo benga intelligent, boko mendie, kofia zo lo banaye ma makambo moko boye zanga sens et zanga moutouna makolo, lui aussi il est là, il est en train d'accepter. Et puis bogoya ke non, en tout cas, média na biso, média na biso. Quel genre de média? Nana comprena kate. Comment est-ce que quelqu'un peut venir raconter des bobards comme ça? Osa na maison de production. On a viré même de l'argent pour cet album. On a payé tous les featuring parce que ce qui est dans la maison de production, c'est que cela veut dire qu'il y a de ces featuring à qui maison de production est foutue à Kambo. Parce qu'ils ont produit. Bazo linga bango peut pas gagner. Quelqu'un ne peut pas accepter de virer de l'argent. Donc, verser de l'argent pour un album, où il y a bien très bien qu'il a gagné. Donc, il faut retour à Zala. Et puis, ce qui est montant, ce qui est montant, ce qui est viré là. En tout cas, na ebite ba artiste na biso, en tout cas na mona ba artiste na mo na mokilo, mais un artiste congolais, en tout cas na ebite un soni pona bango ezalaka pena petit déjeuner, un vieux comme confilé en train de mentir à 12h azoko sa et puis presse azawa na ba veste moko boye azo intervenir te investigation ezate kolela kalela kakaka. Donc, pour décortiquer sorties médiatiques à Kofi Olomide, moi, je trouve que ces sorties médiatiques ne m'intéressent pas plus trop parce que, dans la sortie médiatique, il n'y a que des provocations qui alimentent la polémique. Tant que vous avez la MAB, allez la Kali Soussou. Dans la sortie médiatique, il y a un papa qui a un âge qui a un âge qui a un. Et c'est la raison pour laquelle même les innocents bi, bah comme ils collent la galère là toujours dans la sortie médiatique, parce que ceux qui confient zolé là, et combien de fois plus fort innocents bi, combien de fois plus fort bah Fabregas na bah artiste Missou sous bah faire, y a moi na bah plaire ni chaque toujours, que balinga kabangote, balouge la bango bah moka Missou, parce que déjà un grand frère na âge à confier coller la galère là, na industrie musicale où y a tous les jeunes qui ba innocents bi, bah gaz mawe, bah gaz Fabulous, yo papa mobi ma coller la galère là kaka. Yonde carrière na yo balinga kaba boma yango. Yonde balinga ko kufa. Donc yonde batu bazo supporter carrière na yote. Et pourtant tu es le premier à ne pas supporter aussi la réussite et les succès ya ba artiste mosusu. Mais vous êtes tout simplement là premier après la plernicher. Donc je trouve que ba sortie médiatique et artiste et musicien Kofi Olomide ndengo tuninga na décortiquer, mais c'est pas du tout important, c'est pas du tout intéressant parce que Eza ba manka momoko ya ba terre à terre. Parce que, awa ezala ki, légende, 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 le loto zo ye bate, so ki komi mame kolonini, date to ye bite. Tu vois, donc ba manka momoko bo ya flou, donc on ne comprend rien. Kaka kole la kale la ka. Na ba polémique moko bo ya bo zo ba, hein, ko ya awa o pour le moment Gims de numéro 1. Et puis, comme on a toujours l'habitude de dire que les ridicules ne tuent pas, si les ridicules pouvaient tuer au Congo, neto antera pena ebele parce que ba artiste musicien congolais et puis eloko yo ngana kamwaka bazala ka pena na solide. Donc lundi akoya awa alobi no numéro 1 inter
mercredi à Zongi a changé les sous-sous numéro 1 Intel, numéro 1 pardon Intel. Vendredi à Zongi les sous-sous numéro donc les lundi Gims a commis numéro 1 à musique à Congo. Et ça passe. Et ça passe. Bobenda Gims par force vraiment. Et puis toyebi pourquoi alobaka makambwana? Toyebi pourquoi? Mais c'est la honte. Parce que artiste bolinga kabo ça la neti. Bo ignoré boné. Gims lui-même n'engaza wana consciemment, il sait très bien cet artiste bolinga kabo ignoré de quoi il est capable. Parce que Gims lui-même il a témoigné ça à plusieurs reprises dans la Côte d'Ivoire. Lui-même il a témoigné. Vous ne pouvez pas changer ce que Gims a dégagé. Et où t'en as motema? Quand il a dit à Fally, grand frère, merci de pouvoir nous montrer les chemins, il était sincère. Il était. Yo ata soko yo kumisi Gims nengeni. Papa, fatigue à Pamba. Gims lui-même, il sait très bien qui est Fally. Alors ça ne sert à rien. Parce que l'obigou les ala qui n'ont spi. O azana sixé à Michael Jackson. Après quelques jours, il y a Moko Kofi a commis le sous-sous. Oh, les premiers de tout l'État. Oh, les prêtres des prêtres. Oh, les Dabolo King. Oh, Nande Boye. Oh, Nande hors série. Le lui commis Gims numéro 1. Et pourtant, il y a Moko. Il y a peut-être le numéro 1 de tout l'État. Mais il y a Moko Kaka Gims. Donc, tu trouves que les sorties médiatiques de nos artistes et musiciens, c'est tellement bizarre. Et surtout, bah, Kofi Olomide n'a pas âge au Bazanango. Na ba experience au bazar na ngona ba industry na biso eza pasi na yebite soki héritage nini. Alors concernant passeport diplomatique wana yo moko zo mona yo moko zo mona maturité ezanga. Donc je ne sais pas ba agitation ko le kana ba Karim passeport diplomatique oyo ba soule ka ou ka bazar na ngo si je ne me trompe pas. Oh, ba artiste misusu, bazanango ba fana na bango calme. Bazwa yango kala ba fana na bango calme sans problème. Pour éviter de faire ce qu'on appelle les expositions inutiles. Même si tu dois être réci par le président de la République, ça ne sert à rien de pouvoir faire beaucoup de bruit tout autour de ça. Non. Ozo ça la ba exposition moko indirectement, inconsciemment sans le savoir, chose qui n'est pas bien. On a l'oba qui même l'artiste et musicien héritier Watanabe. C'est trop dangereux d'un artiste s'afficher toujours avec des hommes politiques. Ce n'est pas bien parce que les régimes, surtout yaba africains, changent toujours. Tant au régime est changé, awa, tant au bateau bako banda ko s'en prendre na yo ke non, yo to banda ko mona yo na ba batouama, et goko malisusu ke non, on ne m'aime pas. Mes propres frères ne m'aiment pas. Et pourtant, binonde bosala ba erreur wana bosala musique botika ba exposition ya pamala pamala yo moko moni makambo ko fidon passeport diplomatique et pessier qui peleke soye mafere donc et pessier trouble donc o moni pena ko fa community mwana akomi donc et puis eza passi o tolobaka ba grand donc ozo benga un artiste un grand. Grandeur a montré ça qu'à bas pantalon tendeko. Grandeur a montré ça qu'à bas mandé faba pembetin. Grandeur a montré ça qu'à bas chaîné débellé on dirait ce qui n'est ni nos communautés mami ouata. Ce n'est pas ça la grandeur. La grandeur c'est aussi l'état d'esprit, comportement. Hein? Tu te comportes comment? État d'esprit non ils ont la nénéni. Maîtrise de soi naïou. Maturité, sagesse et zawapi. Moi intelligence. Bah, agitation pour n'aka passeport diplomatique. Normalement, tu devrais avoir honte quand même. Y'a comment na Gims na Dadju, bazui à moi avant toi. Avec 20, plus de 20 albums, na carrière na yo. Tu devrais avoir honte, y'a comment na ke yo ozui à moi après Gims, soki na Dadju. Après que tu n'as pas artiste et misusu, oh ba fana na bango calme, ba tika na gosa la exposition te, ba tika na gotia makele leta. Tu devrais avoir honte. Donc, aux hommes, bâtin. Passeport diplomatique, c'est ton droit. Tu devrais avoir ça. Donc, il devrait avoir. Il devrait en avoir ça depuis la nuit des temps. Mais, à comme il y a surtout, il y a 2022, c'est la honte.
et puis au moment où yoka n'engazolo bawana que non bah oh yonano bazuite c'est comme si bah pesi bah artiste nyon soit travers là au moment bah maloba n'engyo c'est ça qui choque c'est ça qui crée des problèmes c'est comme si on a donné d'autres musiciens à travers yo pour osana bah Gims bazui bah passeport na bango calmement sans polémique sans problème bazui bah jet vient na bango bazongi na bango kana bango sans makelele, sans ma exposition, mon gosso qui a n'engé nini, sans qu'on y a qu'on tout à tout, sans qu'on l'écrit pas, mamie, il est là. Ça montre état d'esprit. Il y a moi, non, mon aura toujours, n'a pas sorti médiatique, qu'on l'est là, kakak. Bon, c'est sa façon d'être. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour décortiquer, bah, sortie médiatique, n'a pas passeport diplomatique, on a pas confié l'homide pour n'en a, non, mon aura, mon tout, mon gosso, il a zomie batte. Donc, Azoye Bate Sokazanani, il devrait en avoir ça depuis longtemps. Parce que ça, là, est bédé. Ils ont représenté la République démocratique du Congo partout. Et puis, au moment où tu bêtise. Donc, à surtout qui, il y a un trophée Mongo Boyo, trophée à légende. Il y a Afrima. Afrima, où il y a une cérémonie à Kopina. Donc, tu vois, nos artistes et musiciens, au moins, à peine un niveau, il y a un artiste et musicien à Bissou. Trophée au Yomongo Bandako Boya, trophée à copinage, et à moi, on m'aime le président de la République. Yo légende, pour n'a qu'un passeport diplomatique. Droit na yo. Et ça, pena droit na yo, tu devrais en avoir. Parce qu'aux ambassadeurs, il y a culture. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, en 2022, tu as été ambassadeur de Picala. Un ambassadeur, c'est qui? Mais c'est comme si aux autres comprendre était aux autres mi comprendre était il y a moi non on a même gouvernement et ça kana bina bazo kabino en considération té parce que aux autres mi ébatté c'est comme un enfant des rois dans un palais papa na yo azar roi mais yo mo moi nous autres comprendre était ce qui papa nous a la roi au banda ko dia kana poubelle na ba serviteur ya papa na yo voilà parce que aux autres comprendre était c'est comme un enfant nanda ku ya ba Yaroua, par exemple, un prince où il a comprendre que papa n'a pas la roi. C'est ça, c'est comme des Kofi Olomide, Bazomie batte, qui a Ifa. Donc, Ezakoutou est venu matin. Parce qu'ils ont droit. Et tu devrais en avoir. Mais ma quelle est le Yéwana Memi trophée. Il y a les gens, trophée à ma copinage. Ok, coupé sa président, trophée à copinage. Il y a un frimon qui est bon, on y a un mot, on néglige un mot. Et il n'y a pas si. Donc, pour nous décortiquer sortie médiatique, à Kofi, un passeport diplomatique, il n'y a pas pas si. Donc, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a mis batte, a comprendre. Et puis, je pense que, il faut pas que ça conseil. Parce que, il faut faire attention. Bokoki ko croire que mutu aza dans les bons et pourtant azo kende kaka boye petit à petit ba dépression ba nini lobi kuna to boyo ka sango ya mabe ce n'est pas du tout bien ba tu o bazala kana e pe meni ba pesa kai ba conseil ce n'est pas comme ça qu'il devrait réagir ba exposition mo ya pamba la ça ne sert à rien donc pour décortiquer ba sortie médiatique nae moi c'est ce que je pouvais dire alors deuxième sujet oyo lobi na lobelana nous réédition a fallu pour pas préparation parce que il nous reste que 10 jours donc réédition version gold moins 10 donc parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà les 15 réédition kobima les 25 février il nous reste que 10 jours cela veut dire une semaine et 3 jours parce que une semaine toza déjà dans 7 jours plus 3 jours ya pamba en tout cas toko savouré toko de version gold donc réédition alors ce qui n'a qu'on décortiqué en gros, premièrement, je devrais d'abord féliciter l'artiste et musicien Fally Ipupa parce que faire la réédition, parce qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais Tikato Lobela Yango, faire la réédition d'un album, donc c'est d'abord, on réédite un album à succès. À l'occurrence, Tokoste, parce que c'est un album à succès, Sokotali na terrain, Sokotali Fally Aoutiko clôture tournée africaine, Bisonios Tomonaki. Tout le monde a qui succès fou. Donc, réussite totale. Donc, pour faire la réédition maintenant de cet album,
Premièrement, je les félicite parce que l'album Tokoste, c'était carton total jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont continué toujours Kosala Makambonango. Donc, félicitations à lui. Et puis, comme on a maison de production Warner Bandimi qui aurait édité l'album Wana, c'est que cela veut dire Bango Pe, bah, s'est retrouvé. Il y a un moment où il y a une maison de production, ils ont un moyen, ils ont se mettre d'accord avec l'artiste. Donc, cela veut dire que na des côtés, ils ont se retrouvé. Chose qui est tellement très important. Et puis, tu as dit très bien que maison de production a Fali et s'est retrouvé parce que ils avaient signé 3 projets. Fali Azalakina signature donc contrat naé c'est pour 3 projets. Donc Tokos 1, Tokos 2, Tokos 3. Déjà wa awa tokomi déjà na 2 projets parce que Tokos 2 na réédition Tokotia Mokaka na cadre à Tokos 2. Donc tokomi déjà na 2e projet et tikali 3e projet ou peut-être ekobi makaka na année ou ya 2022 parce que Fali Poupa nous a dit que non en tout cas na année ou Tokos ala na droit ya 3 projets. Donc tu vois que ceux qui ont signé contrat dans la maison de production, et puis il faut d'abord se poser la question de savoir c'est quelle maison de production, bah Warner Wana, ce n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas du tout facile. Alors, Bouti na premier projet, Boye Pena na deuxième projet, Bozo Kendeti na troisième projet, donc cela veut dire que Bino Nyonso, Bozo s'est retrouvé, donc c'est quelque chose de très 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 positif. Alors, je le félicite, na succès, ya Tokos de. Alors, Tozo Zela Sikoyo réédition. Fali Poupa, il nous a déjà dévoilé tracklist ya réédition wana. Réédition et Rosalake na 15 titres avec 4 featuring. Otogo mona en featuring avec Youssoundour Bakoyemba Mikon des rêves. Et puis, Bazana Balater avec Youssoufa. Bazana Nzembo Moussouso Bakoyemba Chéri Koko avec Niska. Et puis, featuring Moussouso Zawana avec Leto et Ndekonabiso Moussousouana. Et puis, Fali Yemoko, Bazana Banzembo parce que ceux qui tozana 15 titres, moins 4 featuring, donc etikali 11 titres au Fali Yemoko, ako savoure, ako yemba yango, donc ako sakananango. Donc, on a droit à retrouver Banze Moneti ba Amore, Amore za featuring de parce que toyo kaka toujours ba sale gueule que non, en tout cas, ba featuring wana et ça la raye toujours poids. Mais la chance a fallu c'est que Banze Mbo o aye mbaga ye moko ya mwane sa la da ba sixe kole kakoutou Banze Mbo oyo ya ba featuring. Bien sûr, na Tokos de tout ça na Banze Moneti ba un coup en featuring avec Dadju, carton total parce que Dadju chante ses chansons dans ses concerts sans même la présence des Fali, c'est le public qui chante tous les parties des Fali, donc ça nous prouve à suffisance que ils ont un succès quoi que ça gagne, mais quand même tu ne peux pas comparer un coup avec Amore parce que Amore est un makamomosusu, la chanson qui a été chantée na ouverture ya Cannes, donc Stade Olembe et Yemba Amore, Chantal Biya Ayemba Amore, première dame ya Cameroun, donc chanson est un featuring de, donc tu as droit à savourer 11 titres oyo et tu as featuring de. Donc, tu as changé les sous-sous. Il y a eu un banzé mon petit amour et surtout Fali lui-même nous a dit que non. En tout cas, réédition et tu as peut-être kilo pour les kakou tout au cost de Yango Moko. Donc, tu as banzé mon ezawana et tu as un long défi. Il y a un amour, il y a un 8e merveille, il y a un migrant des rêves, il y a un couleur, il y a un lananga, il y a un coup, il y a un Justine Danse avec Max Pokura. Donc, Tozo Zela Yango. Et puis Fali nous a flashé quand même quelques mélodies, quelques tierces à la seconde, n'a pas mélodie Tozo Yoka, en l'occurrence la chanson 100, Toyo qui déjà mélodie, moi, Ezo Kenina, moi, Zouk, Moko Boye, et puis Toyo qui déjà piqué, je suis déjà fan, Yanze Mouana piqué, en tout cas, Tozo Zela Kaka. Et puis Fali pour passer comme si, à collarguer les bisous, nanoum. Clip et à 100 parce que moi on a zo sala la ngo pena promotion parce que même na ba page na Instagram Facebook en tout cas il a posté il a publié 100 donc tozo zela nze moi na peut-être ekobima avant les 25 on ne sait pas on croise les doigts ou bien ekobima les 25 donc tant aux réédition ezobima et puis clip pe ezobima. Alors bonne nouvelle c'est Fali Poupa avec la réédition parce que cet album est déjà na précommande et on nous signale déjà que album Mwana et za déjà et occupé déjà 3e place na iTunes na ba album oyo ezo te kama pena bien donc na précommande na iTunes ezo occupé déjà 3e place donc c'est quelque chose à féliciter et là je ne félicite pas Fali mais je félicite les Warriors
Parce que la fois passée, vous voyez très bien que la bande à non, il faut que l'artiste et Missien Fally Poupa puisse éviter de distraire les warriors dans la sortie médiatique. Naïwana, qu'il puisse éviter de surcharger les warriors parce que Baza Pena n'a pas devoir EBD, il y a qu'on réaliser. Il faut que les warriors basent à la Pena à l'aise, tranquille, pour que bas savourer, bas décortiquer, bas consommer, banzembo ou ya réédition parce que vente nango et zoya ko compléter vente ya tokosté. Donc c'est très très important, peut-être Tokos 2 et qu'on puisse avoir disque d'or avant même Tokos 1. Parce que disque d'or et Tokos 1 jusque là, tout ça quand il y a confusion, tout ça est batté et puis Fally Poupa ne communique pas trop sur ça. Donc tout ça quand il y a confusion, tout ça est batté. Mais quand même peut-être réédition Oyo, dans l'année, album tout ça on a déjà la précommande et comme il y a déjà ma cambo et comme on a déjà signé la positivité mon roboye donc peut-être et quoi ya ça là que Tokos D et peut-être disque d'or avant même Tokos D et qu'on a la peine très très guido comme quand même on a encore préféré vraiment ba disque d'or mi balenio soana et soit ma cambo la moko ce qui va qu'on certifié ce qui va qu'on discerné ba disque d'or ba pesa et pena ba disque d'or mi balé mbala moko et qu'on a la peine qui toko makasi et qu'on a la peine fierté il y a industrie musicale nabiso parce que et qu'on a la des premiers disques d'or donc vrai quand on parle de disques d'or on parle de vrai yango tozolo ba awa soki to moni ba vient na biso neti ba kofiolo midé oyo balela kalela ka toujours que ba carrière na bango o tozana ba plus de 20 albums. Moi je me pose quand même la question de savoir parce que tango ba to balobaka ba carrière ba kofi balobaka yango on dirait ba carrière ba kofi ezalaka réussite na réussite. Non, détrompez-vous, Kofi n'a pas réussi, n'a pas tout réussi dans sa carrière. Carrière n'a pas du miel thé, que de 0 à 1000. Non, n'a pas réussi, n'a pas tout réussi dans sa carrière. Parce que posez-vous quand même la question de savoir, quelqu'un qui a réalisé plus de 20 albums, n'a pas ané nyoso ya carrière n'a pas nzembo nyoso abimisa, n'infise qu'un single d'or. Donc 0 single d'or, dans 20 albums, n'a pas ané nyoso ya ba carrière ou boye baby Kofi. Zéro single d'or, zéro disque d'or. Et à passe. Et ça sonne. Mais au commun, on a un fan de la carrière à Kofi. On dirait carrière moko boye extraordinaire. Non. Et ça extraordinaire. Parce que c'est tellement malheureux. Beauté kaka na France, gobe ta na basa la France. Mais single d'or ya bamba. Banda bo banda ba musique na bino. Banda bo yemba, banda bo bina, banda bo bimisa ba album. Ka single ya bamba single d'or jamais otikala kozwa ngote mais ozolo bela carrière na yo nire carrière moko extraordinaire. Non, alors on attend peut-être Fally Poupa a roué la biso peut-être double disque d'or parce que aza déjà na deux single d'or, ya Kinam en featuring avec Booba et puis Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura. Alors les warriors et vous allez payer bien Fally azo ta moi single d'or mosusu ya amore nzembo oyo ayemba yemoko et vous allez pena kitoko makasi ya amore ou bien bo likolo et vous allez lisusu en featuring avec Mignon. Je pense que bo aider peut-être artiste azo ta moi single d'or et kota na palmarès na e que non Fally pe azo single d'or ya nzembo oyo eza featuring te malgré que ko soit single d'or ya featuring eza pe mabete parce que eza ba nzembo na e eza na kati album na e. Donc tozo c'est la peine réédition, il nous reste que 10 jours auto savourer banzemboana promotion ezo kende kitoko et puis Fally a de la chance parce que Fally c'est un artiste on a lobaka azana grâce parce que avoir des fanatiques qui te consomment bino moko bozomona déjà na précommande album ezo occupé 3e place na iTunes France, ce n'est pas de l'eau à boire et il est toujours le premier à nous réaliser des chiffres comme ça. Il est toujours le premier à casser la baraque. Il est toujours le premier à nous réaliser makambo ya boy. Ba défi ya boy. Il est le premier ya kolongola yango. Donc hashtag 3 na France iTunes France na précommande. Il occupe la 3e place aujourd'hui. Réédition Tokos D version gold. Donc c'est à féliciter. Et puis concernant promotion Tomonike, en tout cas promotion ezana level moko boye. Et puis nga na banda okandisa ke non comme Fally
Azala qui na France a ko zoata moi 5 jours moko boye encore une fois de plus na Skyrock na planète rap wana a savouré a pesa sala ta moi promotion moko boye pi bona ebite parce que il nous reste encore 10 jours peut-être a ko ki koleka wana parce que moi dans ma tête je me disais que comme fallait a ken na France boye donc peut-être a ko boucler encore une fois de plus une semaine ou bien 5 jours na Skyrock wana na planète rap comme a komisango habitude naye asalata moi promotion a banzembo wana toyo kata ba moi morceau morceau wana ya banzembo quelques morceaux ya banzembo wana et ko sala pena kitoko makasi na terme ya promotion mais tomoni déjà promotion eza na level moko boye parce que quand on voit ba ser na biso ba actrice ou ba simba masolo ya Hollywood na ba film ya ba noir américain ba ser na biso neti ba Angela Bassett la reine de Wakanda bazo sala promotion album wana tomoni ba ndeko na biso Idris ba acteur ba légende pena bazo sala promotion tomoni ba Claudia Tagbo tomoni ba Tasha Smith tomoni ba Fox donc onyo moko zo mona ke non en tout cas promotion eza na level moko boye donc on attend vraiment et puis on félicite quand même l'artiste et musicien Fally Ipupa na musala oyo azo sala donc pour décortiquer et pour na kolobe la réédition en tout cas na koloba ndenge wana donc pour moi nazo zela kaka parce que je suis déjà fan ya ba mélodie oyo nazo yo ka yanze moneti sans et moneti piqué nze moneti oyo yembi na Youssoufa Balater ndenge fala kenango en tout cas je suis déjà fan donc je suis déjà fan na ba mélodie wana alors tozo zela kaka d'ici là il nous reste que 10 jours aujourd'hui nous sommes déjà les 15 donc il nous reste d'abord 9 jours et demi donc tozo kende petit à petit donc ba lobi lobi awa toko savoure réédition donc pour la code décortiquer en tout cas c'est ça na ebite so bolingi na ba ki samaka mosusu hein? Oui, donc pour mes abonnés, en tout cas, abonnez-vous si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. N'hésitez pas, abonne-toi, likez, partagez, activez la cloche de notification, regardez aussi jusqu'à la fin et puis accompagne-nous à travers les commentaires. Donc, je pouvais quand même décortiquer ma Kamomoussou, mais tant et que déjà, tu as eu déjà tant mon laï. Donc, on est ensemble vraiment, Tokozong, Naba, Analyse Moussou. À la prochaine, merci beaucoup.